béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Ah, chrétien, Mathieu, n'a pas chanté ensemble avec moi. Côté backup, côté dirigeant là. N'a pas chanté ensemble avec moi le numéro 30 français, réveillons-nous. C'est Belanda, sous des premiers coups, on a bon pour moi, parce que moi, je chante ça bien. Sous la gueule, on a mon tout, c'est Jetta. Nous pour nous chanter, chanter ça ensemble avec moi. Parce que nous allons prêcher sur la création. Nous allons chanter de la poussière de la terre, mon Dieu fit sortir l'homme. Pour la gloire de Dieu. Tout le monde qui compte chanter, 30 français réveillons-nous. Et me compte ça ici, compte chanter ça bien. Avant ça vite nous commencer et après chanter c'est la parole. Mais nous voulons faire avant de prendre la parole pour nous assembler, pour nous jeter sur pour nous remplir avec le Saint-Esprit. Parce que la chèvre qui a prêché l'évangile, c'est le Saint-Esprit qui prêche l'évangile. À nous faire ça pour nous courir. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Papa, dans le moment ça, mes serviteurs qui peuvent parler. Nous avons ton nom, l'homme de la chair qui peut parler. Et bien, ça va dire, ma ligne m'a gagné à l'évacuer. Et bien, ça va dire, c'est un problème m'a gagné. Il va résoudre dans le moment ça. Papa, vous-même qui compte parler pour nos serviteurs-là, remplir avec puissance. Et ça, on va dire, c'est ça qu'il va dire. Et ça, on va dire, faire, c'est ça qu'il va faire. C'est pour ça que nous prions. Dans nos petits dos de Jésus. Je vais aussi vous dire. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Chrétien, nous allons chanter ensemble avec moi. De la poussière de la terre, nous allons chanter notre foi s'est arrivée en nous. Pour le servir, s'il m'a
soit l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, d'après côté de ce chanté là, de la poussière de la terre, mon Dieu fit sortir l'homme. Il me paraît impératif à ce que je suis capable de faire déclaration ça. Bon Dieu remet nous parce que tout ça le créé sur la terre. Gardez le monde qui peut contre nous. Moi, je ne vais pas prêcher, frère. Non, le monde prêcher, c'est tout le monde qui a prêché. Gardez le monde. Il faut répéter ça. Dis, bon Dieu remet nous. Oui. Dis, bon Dieu remet nous. Parce que tout ça le créé sur la terre. Merci Seigneur. Parce qu'on a un pouvoir sur tout ce qui est créé sur la terre. Merci bon Dieu. Parce qu'on a un pouvoir pour me dominer sur tout ce qui est créé sur la terre. Merci mon Dieu. Parce qu'on a un pouvoir. Parce qu'on pour me dominer sur Satan le diable. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mes bien-aimés frères et sœurs et amis en ordre, que la paix et la grâce de Dieu vous soient partagées. Alléluia, béni soit l'Éternel. Ce matin, je tiens d'abord à remercier Dieu qui m'a donné le souffle de vie pour être le porteur du message. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Et je tiens également à remercier nos pasteurs. Et ainsi que vous, ici présents. Alléluia. Alléluia. J'ai aussi l'honneur de remercier ma femme qui se tient toujours auprès de moi. Amen. Sœur Marie-Michel, good job. Amen. Vous faites tout le bagaille pour moi. Amen. Vous toujours ensemble avec moi. Amen. Ni dans bon temps, ni mauvais temps. Amen. Moi, remercie pour ça. Amen. Continuez à faire bon travail et le Seigneur lui-même est capable de bénir. Béni soit l'Éternel. Parce que toujours ensemble avec moi. Amen. Et vous faites tout le bagaille pour moi. Amen. Sans plus tarder, le sujet de notre message ce matin est titré « La création emmène à la domination ». L'on créé ou dominé. Nous allons parler de grand Dieu. La création emmène à la domination. Pour commencer, je vous prie de bien vouloir se mettre debout pour la lecture du message. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Et nous trouvons la lecture de notre message dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Et nous aurons aussi à lire Genèse, chapitre 1, verset 1. Et Genèse chapitre 2, verset 2. Selon les trois versets, nous parlons de matière. Nous parlons de Genèse chapitre 1, verset 26. Et nous parlons de Genèse chapitre 1, verset 1. Et Genèse chapitre 2, verset 2. Pour la gloire de Dieu. Et nous allons pour tout le monde appeler ensemble, s'il vous plaît. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Genèse chapitre 1, verset 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Qui ça reste là? Dis-le, mettez-nous là. Je vais quitter notre reste là. Mais je vais vous entendre. Et qu'il domine les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail. Sur la terre et sur les reptiles qui rentrent sur la terre. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous avons tout pouvoir, mon Dieu, ben nous. Béni soit l'Éternel. Il dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Ici, nous avons deux verbes. C'est le verbe faire et le verbe dominer. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous poursuivons. Nous allons parler de Genèse 1, verset 1. Qui ça le dit? Le bon chita, non, parce que le bon confine lui, mes amis. C'est trois versets nous parlons là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Et bien ça dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans ce verset, on a le verbe créer. Nous avons le verbe faire et le verbe dominer. Quand nous allons jouer le verbe créer. Quand nous allons lire Genèse 2, verset 2. Et Dieu acheva au septième jour toute l'œuvre qu'il avait faite. Et il cessa au septième jour de travailler de toute l'œuvre qu'il avait faite. N'est-ce pas? Béni soit l'Éternel. Merci pour nous mettre le message pour nous comprendre le message à matin. Béni soit l'Éternel. Bon, ici à la Kounia, nous voulons jouer le verbe achever et le verbe cesser. Parce que reposer, c'est synonyme, c'est le verbe cesser. C'est même bagaille là, vous comprenez? Donc, béni soit l'Éternel. Céleste Père en Jésus-Christ. Me voici devant ton peuple ce matin, Seigneur, pour porter le message de ta parole. Je te demande, ô Père, de prendre le contrôle et de me remplir du Saint-Esprit afin que ton peuple puisse édifier et comprendre l'importance de ce message titré « La création emmène à la domination ». Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour vous introduire, comme vous le savez, le livre de Genèse est le premier livre de la Bible en général et du Pentateuque en particulier. Il s'appelle en hébreu Bereshit. B-E-R-E-S-H-I-T-H. Bereshit. Il s'appelle en hébreu Bereshit. Qui veut dire au commencement. Bereshit, Genèse veut dire Bereshit en hébreu. Et Bereshit veut dire commencement. On va continuer là. Merci pour nous comprendre le message à matin. Au commencement. Mot grec là. Le mot grec, il dit, Genèse veut dire Genesis. L'auteur du livre est Moïse. Le but du livre de Genèse, c'est d'exposer l'origine du peuple de Dieu en la rachatant à l'origine du monde. Le mot rachatant ici, c'est le verbe relier. C'est le verbe joindre. Rattachant veut dire l'opre des bagailles collées ensemble. Rattachant, c'est le verbe joindre ou le verbe relier. C'est comme d'adou, ou prend des faits ou souder ensemble pour nous qui ont connaissance dans soudi. C'est comme d'adou, ou prend des faits pour souder ensemble. So, Genèse, au commencement Dieu créa, l'homme bon qu'on la donne. Après, il dit, faisons l'homme. Genèse 5, Genèse 20, il prend l'homme, il fait l'homme vient habituel, vient dans l'habituel avec le monde là, bon Dieu te créa, parce qu'il n'y a pas de monde là. Est-ce que vous pouvez comprendre quand tu parles ensemble avec nous? L'homme peut qu'on a un monde dans le monde de créer le monde. L'homme peut qu'on a. Dès que mon Dieu vient créer l'homme, qu'on a sa Genèse fait d'après sa Genèse, comme si Genèse prend l'homme, lui attaché avec l'origine du monde. C'est ça que nous dans le monde, nous sommes capables de faire ça, nous voulons, ça, nous pipito, parce que mon Dieu va nous pouvoir sur tout ça créé dans le monde. Dis béni soit l'Éternel. Dis béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia, bénissons l'Éternel. Le sujet nous dit, la création emmène à la domination. Dans le livre de Genèse, 1er verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'expression faisons l'homme signifie créons l'homme. Là, on vient de verbe faire et verbe créer. C'est ça le dit. Bénissons l'Éternel. Alléluia, mal pour l'abdomen, non, bénissons l'Éternel. Le verbe faire utilisé dans le texte, a pour synonyme créer. Le mot faire ou créer veut dire c'est l'action de donner l'existence à un être ou une chose qui n'existait pas auparavant. Le mot créer, c'est pas ton mari qui était là. Le mot créer, c'est créer pour l'existence. Sur ça, mon Dieu fait, il crée le monde, mais ça n'est pas là. Et après ça, il vient faire l'homme, il forme l'homme. C'est ça que ça ne pas dit. Il ne pas dit créons l'homme. Il dit faisons l'homme. Parce que il te dit,
Au commencement, Dieu créa, c'est le verbe créer, vous comprenez? Créa le ciel et la terre. Lui parle du verbe créer pour l'homme. Lui dit faisons l'homme. Lui dit le verbe faire pour l'homme. Est-ce que nous la matière? Parce que pour nous comprendre côté la bralie à la matière. Oui? Pour nous comprendre qui nous noyé, nous avons pouvoir pour nous faire tout le bagage matériel. Parce que bon Dieu dans l'omniscient, il était qui t'a créé tout le bagage spirituel honnête. Et à partir de la bagaille spirituelle du cœur, qu'il y a l'homme qui a le pouvoir pour nous prendre, pour nous faire des choses matérielles. Est-ce que nous là? Nous faisons avion voler, mais tout le bagaille s'est créé déjà. Ces mêmes gens, bon Dieu n'a pas dit, créons l'homme, il dit faisons l'homme. Est-ce que nous là, ma mère? Dis béni soit l'éternel. Dis béni soit l'éternel. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'éternel. Puisque Dieu, il est le créateur, il a dit faisons l'homme ou créons l'homme à son image. Nous, les enfants de Dieu, nous portons les ADN de Dieu. C'est ça que je viens de dire le matin, oui. Nous portons les ADN de Dieu dans nos sangs. Nous qui avons ADN, bon Dieu, dans nos sangs, nous chrétiens. Ce n'est pas comme ça, bon Dieu prend son uniforme, nous. Nous avons les ADN de Dieu dans nos sangs. C'est ça que fait, nous-mêmes aussi, nous avons la capacité pour nous créer des choses extraordinaires. Qui t'aime me répéter pour nous? Puisque Dieu, il est le créateur, il a dit faisons l'homme ou créons l'homme à son image. Nous, les enfants de Dieu, nous portons les ADN de Dieu dans nos sangs. C'est ça que fait, nous-mêmes aussi, nous avons la capacité pour nous créer des choses extraordinaires. Nous faisons avion voler, nous faisons bateau sous la mer, nous faisons machine courir, nous faisons des bois pareil loup. Mais toute connaissance, ça, yo sorti dans mon Dieu. Nous sommes héritiers de cette connaissance pour pouvoir créer aussi. Est-ce que nous la matière chrétien? Puisque Dieu lui-même, il est le créateur. Nous sommes héritiers de cette connaissance pour pouvoir créer aussi. Parce que nous sommes dans mon Dieu. C'est souffle, mon Dieu, de souffler, oui, qui fait le bas. La tête, vous faites la bras, votre monde, non? C'est la bon Dieu souffler. Ouha! Il souffle de nous-mêmes et puis nous venons devions être vivants. Soit nous sommes dans mon Dieu qui veut nous donner ADN, mon Dieu, de nous-mêmes. Nous avons le pouvoir pour nous créer des choses. Même pour matin, pour qui est souillé, ou pour un monde comme ça. Ça fait matin, moi je dis que chita chita là matin. Chita chita là. Guillaume Bagay m'a capable de dire. Non, moi ça dit chita chita là, pour qui ça me prépare pour ça, mais pour qui ça? Si nous regardons, il y a un autre Voltaire. Et je crois que tout le monde qui était passé l'école en Haïti, depuis que tu es arrivé dans la seconde passe Daniel, ou comme ça m'a dit, ou rencontre avec Voltaire. Vous comprenez? Pas jamais qu'il y a une séance qui a fait pour Voltaire avec Rousseau, pas là. Vous comprenez? Jusqu'à tout le retour, vous comprenez ce bagage ça va jouer. Voltaire, c'est ton aigle, c'était un philosophe du 18e siècle. Frère Laurent, comme ça m'a dit, très bien, n'est-ce pas? Gabriel qui est dans la colline, ça m'a dit, hein? C'est qu'un philosophe du 18e siècle, Voltaire, c'est ton équipe qui a l'évangile. Il était là, il l'évangile, il n'a pas vu un chrétien. Monsieur était tellement pas vu un chrétien. Monsieur dit comme ça que, monsieur était dit un mot qui était en pile. Monsieur était dit comme ça que, l'église est une assemblée de moqueurs suivie par les imbéciles. Est-ce que c'est pas ça que tu dis, Pasteur Daniel? C'est ça que je dis, oui. Alléluia. M'oblige à dire que je n'y ai pas, je ne vais pas passer sous côté. C'est ça que je dis. Mais ce même Voltaire, plus tard, avant sa mort, il disait, si Dieu n'existait pas, il faudrait le vendre. Son nez qui compte un peu lui. Oui, Voltaire, Pasteur Daniel. Son nez la femme, il n'a pas machiné à lui parler de Spam Beach, qu'on a tout, qu'on a subi, qu'on a descendu, qu'il tourne la Spam Beach. Là, il cherche le Spam Beach. Son nez qui compte un peu lui. Son nez qui compte un peu lui. Son nez qui compte un peu lui. Il est sauvé. Il s'est dit, si mon Dieu pas existé, faut nous t'avoir obligé d'inventer mon Dieu. Si béni soit l'éternel, non. Si béni soit l'éternel.
Si béni soit l'Éternel encore. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Pour qui ça dit ça? Parce qu'il avait réellement connu la réalité de l'Église. C'est ça. Les filles connaissent la réalité de l'Église. C'est ça qui fait lui retourner sous saleté. Quand il y a là, l'histoire rapportée sur les qui convertit. C'est ça qui fait. Regardez mon qui m'a de la Chita Chitola. Dis ça, Chita Chitola. Chita Chitola. Regardez mon qui m'a de la dit, tu ne peux pas être la petite ça, mes amis. Faut ne pas parler sur dans l'évangile. Chita Chitao. Chita Chitao. Chita Chitola. Si vous qui t'ont croit être pas de l'évangile, et plus tard l'histoire raconte que nous sommes ceux qui sont convertis, ceux qui croient, mais après, il faut que ceux qui sont déjà là en de l'église. Amen. Comment vous t'avez pas sauvé? C'est pour chiter la bouche de Pasteur Daniel, parce que là, tu te dis à le faire de toutes les nations, faire des disciples. Soutenez le Pasteur Daniel, massivement pour avoir nos disciples. Soutenez le frère Pasteur Fab, massivement pour avoir nos disciples. Soutenez le Pasteur Félix, massivement pour avoir nos disciples. Soutenez le frère Roland, massivement pour avoir nos disciples. Soutenez le Pasteur Jean, massivement pour avoir nos disciples. Parce que la Bible a dit à l'aide de toutes les nations, faire des disciples. C'est ça que dit disciples. Il était formé par Saint Daniel, et le voyage par Saint Daniel, tout cela lui vient ici. C'est ambitionné. C'est ça que dit à tous côtés. Et puis, faites ici. Après, il faut dire que même qui est dans l'exil là, pour ne pas t'en sauver, si vous êtes sauvé, comment vous ne faites pas sauver? Amen. Mon cher, si vous ne pas sauver, mon diable, pas trop pile. Parce que vous êtes un gros bâtard qui accepte l'évangile, qui sauve, et vous prenez dans l'exil, vous ne pas sauver, mon cher, mon diable, pas trop pile. Mon Dieu, t'as fait Satan, pas trop pile dans l'enfer. Amen. Moi, je perds l'enfer même. Moi, je perds l'enfer. Je perds l'enfer. Les papilles d'Apocalypse, mon cher, moi, je perds l'enfer. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est pas sans raison. Les gens regardent Natia avec toute cette la donne. Ou à implorer grandeur, mon Dieu, de tout ça le fait. De tout ça le créer. Parce que là où c'est un héritier, ou capable de bénéficier de tout ça, vous quittez pour vous. Parce que c'est héritier, ou c'est héritier, mon Dieu. C'est pas sans raison aussi. Là où regardez toute réalisation que l'homme fait sous la terre tant que l'homme, nous faisons dans un domaine différent. Nous ne pas faire à mon Dieu, nous ne pas faire même à mon Dieu, mais nous faisons quand même. Nous ne ferons pas quelque gros bagaille. Nous faisons quand même. Par exemple, on nous dit, yo papa qui gagne 5 petites. Ça, c'est une illustration préparée, vous comprenez? On dit, yo papa qui gagne 5 petites. Et lui possédait 5 États aux États-Unis. Il n'a pas de 5 États, il y a Florida, il y a Georgia. Vous faites bien le compte, je vais dire. Vous comprenez? Il y a New York. Papa qui gagne 5 États, on prend États. On dit, on a 5 cahiers. Vous comprenez? On dit, on a 5 États. Même prend 5 États. On nous dit, yon papa qui est 5 petites, elle possède 5 états aux États-Unis. Elle décide pour partager chaque état sa yon avec petite li yon. C'est vrai, chaque petite yon a joint ou bien a gagné yon état. Mais chaque état sa yon, pap jam, bay même résultat. Parce que y a différents moun kap dirige yon. Chaque papa nous résultat chaque état sa yo pour aller dépend des gens petit sa gérer. M'a continuer comprendre. Béni soit l'Éternel. Gen état selon petit yo qui t'a choisi pour parler anglais, gen t'a choisi pour parler créole. Alléluia. Chaque petit sa yo puisque yo c'est héritier, yo capable choisir selon yo même qui savent faire dans état pa yo. Est-ce que nous lançons ma veine? Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est même Jean avec nous chaque qui la matin. Puisque nous sommes héritiers, créateurs, ou qui ont capacité aussi pour créer. Ce n'est pas sans raison ou qui est un docteur, qui est un avocat, qui est un ingénieur, qui est un astronome. Il y a des gens qui sont AN, des gens qui sont LPN. Il y a des CEO. Il y a toute qualité. Merci, frère Bédan. Mais ça veut dire que toute connaissance, ils sont dans mon Dieu. Toute création, où est l'homme? Que les hommes ont fait? Ils ont inventé, ils ont inventé avion, ils ont appareil qui est silo. Qui a couru en l'air.
tout ça yon fait, c'est pour yon bon Dieu gloire, oui. Tout ça yon fait, gloire bon Dieu a manifesté dans tout ça l'homme fait. Alléluia. Est-ce que nous comprenons le message là? C'est ça, nous allons parler de pouvoir, mon Dieu, et pouvoir qu'il bat nous. C'est ça, nous devons faire nous comprendre matin là. L'observation emmène, l'observation mène à la domination. Ou bien l'observation mène à la création. Et la création reflète la gloire de Dieu. L'enfant bagaille, ou programme un bagaille, frère, mais bon Dieu, ma gloire, oui. Moun qui fait téléphone de bon Dieu, ma gloire. Parce que pièce qui fait téléphone de bon Dieu, t'es créé. Ou former téléphone à partir de ça, bon Dieu te fait. Vous comprenez? Micro ça, moun qui fait micro, vous comprenez? Les programmes micro, parce que bon Dieu te fait mettre pièce ça là déjà. Ou que le colton qui fait avion volé, bateau sous l'homme, il n'y a pas écrit sur lui, il n'y a pas coulé. Il n'y a pas coulé. Vous comprenez? Mais tout le monde fait, c'est pour bon Dieu gloire. Béni soit l'éternel. Béni soit l'éternel. Si nous gardons avion, avion c'est un appareil que les hommes font pendant qu'ils ont observé les oiseaux qui ont volé. Mais qui est-ce qui te fait les oiseaux? Hein? M'attends de non? Bon Dieu. Bon Dieu te fait les oiseaux. Amen. Mais l'homme fait avion pendant qu'il a observé les oiseaux qui ont volé. Alléluia, béni soit l'éternel. Qui ça? Avion veut dire. Avion veut dire, avion c'est un appareil volant imitant oiseau naturel, mais oiseau naturel. Si je dis oiseau, si je dis oiseau, la première question est bien plutôt dans la créole. Avion, ça veut dire, parce que avion veut dire, appareil volant imitant oiseau naturel. Mais pour l'homme de faire avion, c'est oiseau qui a gardé qui a volé. Mais qui est-ce qui te fait oiseau? C'est bon Dieu. Et puis l'homme prend pour faire avion, quoi? Qui est-ce qui crée ça? C'est bon Dieu. Amen. Qui veut dire bon Dieu, nous avons tout pouvoir. L'on chita, l'on pas chita pour grand merci. Ou chita devant grand. Sous ta nom, tout qui perd l'évangile pour aller servir diable, m'a pas à l'aise à mon tirer l'eau, mais dit petit moi, bon Dieu, béni. M'a pas fait le même. Béni soit l'éternel. Béni soit l'éternel. Béni soit l'éternel. A veut dire appareil. N'a pas analysé l'avion. A veut dire appareil. V avait dit volant. I avait dit imitant. O avait dit joiseau. N avait dit naturel. Appareil volant. Joiseau naturel. Qui veut dire ça partie des joiseaux qui ont volé. Et puis, ils ont fait avion. Est-ce que nous comprenons ça? Si nous comprenons, dit béni soit l'éternel. Les hommes étudient, ils ont bagaille qui relève la loi des pieds en terre. Alléluia, béni soit l'éternel. La loi des pieds en terre, hein, veut dire, c'est un bagaille, c'est une force qui attire tout bagaille qui loue pour l'aller au descendre. C'est ça la loi des pieds en terre, veut dire, bon bagaille loue, la bagaille descend. C'est une force qui attire tous les corps vers le centre de la terre. Nous avons mis gros sac quand même, non? Nous avons mis gros sac quand même, non? Si la gueule l'a tombé. Si la gueule l'a tombé. L'a tombé parce qu'il n'est pas capable d'être en l'air. Ok? Parce qu'elle a une force capable d'aller pour le descendre, pour la gueule à terre, sous la terre. Vous comprenez? Vous comprenez? Force ça, la gueule descend. Si vous regardez les hommes fait avion, rete en l'air. Pour les hommes fait avion, rete en l'air. Ils étudient une autre force. Ils étudient une autre plan qui relève la loi aérodynamique. C'est son pouvoir, bon Dieu, nous parler matin. Pour ça, bon Dieu, bah, nous. Les hommes étudient une autre loi qui relève aérodynamique. Qui ça la loi aérodynamique avait dit? Depuis qu'il y a un objet qui loue, qui court avec une vitesse force qui fait une vitesse supérieure par rapport à la force qui va aller descendre, non? Il n'est pas capable d'aller descendre. Est-ce que nous comprenons? Qui te répète pour nous encore? Depuis qu'il y a un objet loue, qui court avec une force supérieure, ou bien avec une vitesse supérieure par rapport à la force qui va aller descendre, non? L'a toujours été en l'air, force en bas, pas capable d'aller descendre. C'est ça que fait, yon appareil lourd était en l'air, sans pas tomber. Ça me veut dire pas là, toute connaissance ça yon ou l'homme a développé, yon sorti dans bon Dieu. Dis béni soit l'éternel.
Moi vinn diou puisque ou c'est petit bon Dieu ou gen ou capable faire plus que ça. Bon Dieu pas gen petit préféré sous la terre, attendez vrai maintenant. Non. Bon Dieu pas gen petit préféré sous la terre. Non. Et qui t'aime tout ça avant pour moun pas dit comme ça que m'pa pas la converser la matin. C'est avec converser m'a prendre tout ça. Bon Dieu pas gen petit préféré sous la terre, attendez. Puisque Dieu n'a pas un enfant préféré sur la terre, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Béni soit l'Éternel. Nous toutes la bonne Dieu remet nous toutes. Pas de pièce pour la bonne Dieu remet, parce que pièce là. Qui ont été prophètes, qui ont été docteurs, qui ont été pasteurs, qui ont été évangélistes, qui ont été frères, qui ont été saints, des bouts d'accord pour servir mon Dieu, lui remont même gens. C'est fini pour venir. Nous, mon Dieu, volte à Dieu, mon Dieu. Si volte à Dieu, mon Dieu. Si apôtre Paul qui t'a marché backbone, qu'on y a c'est même qui écrit plus la Bible. Et ou même qui n'a pas jamais côté, ou même un petit joueur pour côté. Ça, quand on nous m'a dit, chita chito là. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Puisque Dieu n'a pas un enfant préféré sur la terre, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. De ce fait, c'est à nous de choisir comment gérer ce qu'il nous avait donné. Bon Dieu va nous en pile capacité. Bon Dieu va nous en pile pouvoir. Bon Dieu va nous connaissance pour nous faire des choses extraordinaires. Mais c'est à nous-mêmes qui pour développer. Si vous êtes d'accord pour marcher sous loi ou sous ordre, bon Dieu, bon Dieu a bon vision comment pour faire des choses extraordinaires. Amen. Et parfois, vous ne pas ça, Daniel. Amen. De vous d'accord pour marcher droit à bon Dieu. La bonne vision, on me dit normalement, il doit être fait pour guérir le monde. Pour le monde. Amen. Les gens ont pour wash pour vous, wash pour vous, pour guérir de toute maladie. Amen. So, là, on observe bon Dieu, on prend un petit peu sans garder. Ou bien pour faire pile bagaille. Parce que connaissance à sortir, non mon Dieu, parce que vous avez ADN, mon Dieu, dans vous-même. Matin, moi je viens dire que vous avez capacité pour créer aussi. Si vous avez gardé ça, vous avez fait. Parce que vous-même qui l'a matin, vous êtes un héritier de toute connaissance qui sortit dans mon Dieu. Matin, moi je viens dire, leur créer ou dominer. Ou à passer avec Félix qui forme l'église là, après bon Dieu, c'est qui forme elle, c'est lui qui domine, c'est lui qui ange l'église, attendez. Lui qui a pouvoir pour le prendre, après bon Dieu, lui qui a pouvoir pour le prendre, qui prend décision qu'il veut. Si Dieu ne pas pour tes chers, pas pour tes chers. Père, c'est lui même bon Dieu, il est bon ici. Quel que soit mon ou derrière, c'est lui pasteur Félix, bon Dieu, il est bon ici. Béni soit l'Éternel. Moi, dis, matin, moi, viens dire, l'air créé ou dominé. C'est pas sans raison, il dit dans Psaume 46, verset 10. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et pas ça, dit Pasteur Daniel, et pas ça, dit Frère Fab. Alléluia, béni soit l'Éternel. Il dominait sur la terre, vous comprenez? Pourquoi Dieu domine? Pour qui ça, bon Dieu domine? Moi, je dis, bon Dieu domine parce que c'est lui-même qui crée la terre. Bon Dieu dominé, c'est parce que c'est lui qui crée la terre. Qui veut dire que vous ne pouvez pas bon Dieu, non, même vous ne pouvez pas même du tout. Sous quoi dans la terre tourner, vous êtes perdu déjà. Alléluia. Pour qui ça, bon Dieu dominé? Pour qui ça, bon Dieu dominé? Bon Dieu dominé, c'est parce que c'est lui qui crée la terre. Qui ça dominé veut dire? Qui ça dominé veut dire? Dominé, c'est avoir l'autorité ou l'influence. C'est pas ça lié, mes amis. On met ce temps de nous pour nous dissiper, soit l'Éternel là. Parce que, pensez pas en cette théorie, ou même dominer, c'est avoir l'autorité ou l'influence. L'on dominer ou bien pouvoir pour prendre quelque décision. Et je me garantis, si vous ne pas servir mon Dieu, décision de prendre, pas pour faire. Ça fait un comme ça, chita chita là. L'on chita chita là, bon Dieu, l'a compté, nous sommes l'a compté, l'a bonne des visions pour faire des choses extraordinaires. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Ma boyon l'autre démonstration encore. Pour montrer leur créer ou dominer. Je parle par exemple sur l'homme. Si nous regardons, comme exemple, Jeff Bezos. Jeff Bezos, c'est lui-même qui s'y Amazon. C'est lui-même
nous connaissons qui crée une compagnie, nous connaissons son nom qui est Amazon. Jeff Bezos a gagné pour voir pour dominer, surtout pour travailler à Amazon. Est-ce que moi, tu m'as fait? Est-ce que moi, tu chrétien? Jeff Bezos qui a pouvoir pour dominer, surtout pour travailler à Amazon, mais tout pour qui d'accord pour venir à son chaîne Amazon. Jeff Bezos qui a pouvoir pour décider qui est-ce qui a prêté la compagnie, hein? Ou bien qui est-ce qui va y aller. Puisque c'est lui-même qui est chef, lui qui a pouvoir pour dominer. Et l'elfine créé Amazon, qu'on a lui à reposer. C'est encore pas joint dans Genèse 2, les bon Dieu fin créé, lui reposer. Et Jeff Bezos, qu'on a là, lui qui 7798 000 monde qui travaille pour Amazon. Est-ce que ça veut on a qui 798 000, 18 000 monde qui travaille pour lui. Vous pensez que ça lui bien travail lui-même? Lui reposer. Et bien c'est même genre, les bon Dieu fin créé ciel là avec terre en 6 jours et puis lui-même lui reposer. Bon Dieu tellement aimé nous, il fait nous avec image. C'est nous-mêmes seuls créatifs qui semblent à bon Dieu. Pas de l'autre pour nous semblent à bon Dieu. C'est ça nous-mêmes qui semblent à bon Dieu. C'est ça nous-mêmes les hommes que bon Dieu a une capacité pour dominer. Dans Genèse 2, verset 2, après bon Dieu fin créer tout bagaille dans 7 jours, lui reposer, lui quitter avec nous-mêmes les hommes pour nous continuer de travailler là. C'est ça que dit le pasteur Daniel, allez pas tout le monde. Il dit frère Fab, allez pas tout le monde. Il dit pasteur Jean, allez pas tout le monde. Il dit pasteur Roland, allez pas tout le monde, faites des disciples. Parce que bon Dieu lui-même, il finit le travail dans 7 jours, il repose. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Et toute bagaille, c'est pour gloire mon Dieu capable, qui ça manifeste. Malgré désobéissance, nous faisons bon Dieu couper fâche ensemble avec nous, mais bon Dieu pas garder sous péché nous. Littéralement, aimé nous, il voyait un seul petit de Jésus-Christ pour venir racheter nous en malédiction péché. Livre Genèse, le livre de Genèse nous dit, nous parle de la création. Tenez bien, le livre de Genèse nous parle de la création, tandis que le livre de Actes nous parle de la recréation. Est-ce que nous la chrétiens? Nous parle de la création avec la naissance de l'église de Jésus-Christ. Dans Acte 2, bon Dieu, Jésus a fait le travail, qu'on y a dit qu'il n'allait pas tout le monde. Qu'on y a là, puisque qu'on y a là, nous c'est héritier, bon Dieu, nous avons le pouvoir qu'on y a là pour nous faire d'ici. L'enfant fait être héritier, bon Dieu, mais c'est leur converti, c'est leur accepté, bon Dieu. Qu'on y a le pouvoir pour le faire d'ici tout, même si le pasteur Daniel a prié pour moi, pasteur Félix a prié pour moi, je suis converti. Qu'on y a le pouvoir pour prier pour Saint-Missy, je suis prié pour Saint-Marie, je suis prié pour Saint-Jeanne, je suis prié pour Saint-Pour Frère Laurent, je suis prié pour que toute femme fait d'ici tout. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Avec l'église de Jésus-Christ. Vous comprenez? Sur la croix, il a dit, tout est accompli. Puisque mission Jésus finit. Nous passer de la loi à la grâce. Parce que nous pas sous la loi encore, qu'on est sous la grâce. Vous voyez? Il s'est monté au ciel et assis à la droite de son Père. Dans le livre de Matthieu 28, verset 19 à 20, il a dit, allez faire des disciples à toutes les nations. C'est pas ça le dit? Béni soit l'Éternel, parce que puisque vous êtes en secret, nous allons faire des disciples tout. C'est samedi du matin. Allez faire ça, ok. Allez dans cette phrase, c'est un impératif. Le verbe aller, son impératif, il dit allez son commandement, allez cette phrase, c'est un impératif. C'est un ordre, c'est un devoir, c'est un travail que nous les chrétiens devons accomplir. Est-ce que nous les chrétiens? Son travail, nous même chrétiens, nous devons accomplir. Parce que son commandement, son ordre, il passe nous, pour n'aller pas tout le monde, pour nous faire des disciples. Nous ne pouvons pas venir à l'exil là et nous ne pouvons pas jamais convertir au monde. Nous avons fait prier avec le monde. Nous avons demandé au monde s'il y a mon Dieu dans la ville pour prier pour lui. Amen. Parce que son soldat. Ou si vous êtes prêts, mettez-vous dans la position soldat qui est dans la guerre.
Parce que l'homme sait qu'il y a un soldat qui est dans la guerre. Faut demander, est-ce que c'est non? Est-ce que vous avez bon Dieu là vous déjà? Faut demander, est-ce que vous avez bon Dieu? Sinon, est-ce que je peux prier pour vous? Mais vous n'avez pas forcément non? S'il vous plaît, prier pour lui, pour venir aux soldats, même si ensemble avec vous. Parce que son ordre, son devoir, l'impératif, vous comprenez? Son pour que l'on devoir, ça va nous remplir avec un chrétien. Moi, je viens de vous matin, hein? Si c'est bon, chita, ils ne sont pas fait rien. Parce que vous avez une mission que Jésus confie pour faire des nations à toutes les nations, des disciples à toutes les nations. Créer des activités pour Christ. Parce que les jours sont proches. Alléluia. Jour approche, jour presque arrivé. Qu'on a revient à vous-même pour sauver des tout. Bon Dieu a le pouvoir pour nous faire toute bagarre, chrétien. Béni soit l'Éternel. Liban a le pouvoir sous Satan et diable. Parce que, il dit comme ça que, dans Marc 16, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'il brave des breuvages mortels, il ne lui fera aucun mal. Très mal, vous comprenez? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, bon Dieu va nous pouvoir ça. Bon Dieu va nous tout pouvoir ça. Mais, ou pas venir chita comme ça dit, je ne demain pour qu'il pouvoir ça, non? Faut jeûner, faut prier. Qui a fait nous chrétiens, nous avons plus de travail pour nous faire. C'est pas pour nous dire une chita là pour nous pas travailler. Là, vous ne pas, on l'a fait le cache, on va jeûner. On va demander bon Dieu grâce. Et venir comme ça, des fois, on va chercher pour jeûner moins. Des fois, prier. On va jeûner. Parce que lui-même qui fait pour mettre, on va jeûner. Mais il faut chercher. Si on juste une chita, si on ne fait pas, on ne peut pas jeûner. On ne peut pas chita dans l'église pour ne pas faire. Faut un bagage quand même. Ne laisse pas les difficultés de la vie te faire croire que Dieu t'a oublié. Ou que tu as souffert. Car là, tu n'as pas à payer, tu n'as pas à manger, tu n'as pas à travailler. Mais pas quitter les gars, il faut penser que bon Dieu oublie. Bon Dieu pas jamais oublié, attendez. Bon Dieu pas oublié, dis béni soit l'Éternel. Bon Dieu pas jamais oublié personne. Bon Dieu pas jamais oublié personne. Béni soit l'Éternel. Il est toujours avec toi. Il te donne une belle victoire sur tous tes combats. Sur tout combat, tu vas mener. La bonne belle victoire, la bonne grande victoire. Ou tellement grande victoire pour bagarre tellement belle dans mon échelle doit marcher. Doit marcher chelbe. Lorsque petit bon Dieu sont qui chelbe. Mais faut observer tout bon vrai. Béni soit l'Éternel. Pas quitter ça mon dit de ou faut décourager. Quitter bon Dieu gain dernier mot dans la vie, attendez. Dernier mot la vie pour là c'est dans mes bon Dieu lié. Pas quitter l'homme tout pas chemin hein, à finir. Non. Dernier mois après mon Dieu c'est dans mes pores. Même si vous n'avez pas le mal mais vous m'avez compté tout. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que bon Dieu bénisse nous matin Seigneur chrétien. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu passe avec nous. Que bon Dieu sanctifie la vie nous matin. Que bon Dieu guérisse nous nos matins. Béni soit l'Éternel. Que Dieu d'aille bénir ce message pour l'édification de nos âmes. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour le message. Merci, Seigneur. Bon Dieu bon pouvoir. Pour me dominer. Sous toute sa grâce sur la terre. Et le bon pouvoir. Pour me dominer. Sous Satan le diable. Béni soit l'Éternel. Chrétien a pouvoir. Nous tous avons pouvoir. Mais c'est seulement si nous marchons droit avec bon Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Amen.